Youpi tout le monde, c'est Obscuranic, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan. Aujourd'hui les potos, je vous retrouve encore une fois pour un très gros gameplay, mais cette fois-ci sur Call of Duty Black Ops 2. Mais avant de vous le présenter, pour le code PSN du jour qui est de 10€ PSN, nous demandons les 600 likes minimum. Nous comptons sur vous pour nous exploser cette barre des likes afin d'obtenir ce code PSN et d'avoir une chance de le remporter d'ici demain soir. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est donc une nucléaire au bazooka du nom de Smough, réalisée par Obscure Carnage sur la map Slums. Oh oui, le retour du poteau marseillais au sein de la team, ça fait super plaisir. Faites péter un maximum de likes pour le récompenser de cette très grosse performance et félicitez-le dans les commentaires de la vidéo et également sur sa chaîne YouTube qui se situe bien évidemment en description. Abonnez-vous car elle propose vraiment de très gros massacres sur Call of Duty Black Ops 2. Et quoi de mieux d'avoir le player parmi nous pour lui présenter son gameplay afin d'avoir plus de renseignements sur son gameplay. Allez, c'est à toi Carnage. Hey yo les gars, c'est Carnage, comment allez-vous? Moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Obscure Clan, comme vient de le dire Warnix. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la première nucléaire Osmo. Donc franchement un très gros gameplay. Première nucléaire Osmo dans le monde les gars. Il y en a eu quelques autres dans le monde, mais pour moi faire 8 kills avec le lance-roquette, ce n'est pas une nucléaire Osmo. Si vous voulez, je vous mettrai les liens dans les commentaires pour que vous alliez voir et que vous donniez votre propre avis sur la chose. Pour moi personnellement, faire une nucléaire Osmo, c'est au moins faire 20 kills au lance-roquette. Moi j'ai fait 24 kills au lance-roquette, donc je pense que c'est assez suffisant pour dire que c'est une nucléaire Osmo. Il y a 3 nucléaires Osmo dans le monde à part moi. Une en QG, ça compte pas, en plus le mec il a fait 8 kills. Une en et deux autres en multi-équipe. Donc pour moi la multi-équipe ça vaut un peu plus. Le QG ça compte pas, donc comme ça dure 15 minutes. Mais les deux autres, il y en a un qui a fait 8 kills et un 7 kills. Donc pour moi ce n'est pas une nucléaire Osmo. Tu fais 8 kills avec une arme et après tu peux marquer ouais nucléaire, what first ou quoi. Pour moi ça marche pas comme ça. C'est comme si je prenais une je faisais une quad nucléaire avec la N94 et je fais 4 kills au B23R à chaque série. Je vais pas marquer quad nucléaire B23R, j'espère que vous serez d'accord et vous aurez compris. Donc dans ce gameplay j'étais accompagné de Nazer et Zanka. Grosse dédicace à Zanka, car on a fait une petite stratégie dans le gameplay. On essayait qu'il reste toujours. On faisait en sorte qu'il reste toujours à côté de moi, vous avez vu. Car comme vous pourrez le savoir, avec le lance-roquette, quand tu tues quelqu'un, tu ne peux pas ramasser de pierre. Je sais pas, c'est comme ça. Ils auraient dû le faire parce que quand même c'est une arme. Tout ce qui est explosif, tu ne ramasses pas de pillard. Et il faut prendre les ennemis un par un. À certains moments, je crois que je vais faire des doubles roquettes. Franchement, je sais pas du tout. Mais il faut prendre les ennemis un par un. La difficulté, elle est là. Et ça fait qu'il était toujours à côté de moi. Donc vous allez voir, même des fois il va attendre et tout que je cours pour ramasser le sac de pillard. Car si je cours et que j'ai pas de roquette ni de C4 pour me défendre, ben ma nucléaire tout simplement est morte. Et donc ça je pense que vous le comprendrez, que vous allez pas m'en vouloir pour avoir fait quelques kills au C4 pas au lance-roquette. Et puis voilà, donc franchement grosse dédicace à Zanka qui m'a beaucoup aidé. Après dites nous aussi sur la obscure quel genre de gameplay vous voulez voir. Si vous préférez voir des gameplays du type trip nucléaire, quad nucléaire, ou bien nucléaire avec des armes spéciales, par exemple j'ai des nucléaires au couteau, dites-moi, donnez des défis aussi dans les commentaires pour savoir un peu ce que vous voulez sur Black Ops 2, parce que Black Ops 2 ça change un peu. Je vais passer sur Infinite Warfare dans pas longtemps, donc on vous sortira des gameplays, mais dites-moi ce que vous voulez un peu sur Black Ops 2 dans la mesure du possible, car j'ai essayé la nucléaire au Tomahawk en groupe de 3 en élimination confirmée, j'ai failli la 20 malheureusement. Bon c'est pas grave, ça a été un bon truc, franchement je vais pas vous mytho, ça je le tenterai plus. J'ai une double nucléaire au sniper si vous voulez, dites moi si ça vous intéresse. Je vais tenter la triple nuque au SVU. Et puis voilà, donc franchement dites nous tout dans les commentaires, excusez moi. Ça nous ferait super plaisir, ça me ferait super plaisir aussi que vous passiez, vous abonnez à ma chaîne pour voir un peu le contenu que je fais, etc. J'ai des tas de gameplay sur Black Ops 2 et puis voilà. Et donc pour moi c'est fini, donc je repasse la parole à Warnix. Re tout le monde, je vais maintenant parler de l'évolution de la chaîne et des codes PSN. L'obscure approche des 13 000 abonnés et je pense même que d'ici l'arrivée de ce commentaire sur la chaîne, les 12 500 abonnés seront déjà atteints, car en ce moment même où je vous parle, nous sommes à 12 000 abonnés. Nous prenons en moyenne 100 abonnés par jour, peut-être parfois même plus, c'est juste fou et que vous dire à part merci. Nous avons également remarqué que les codes PSN marchaient plutôt bien sur la chaîne, le nombre de likes que nous demandons sont toujours atteints, nous demandons toujours entre 500 et 600 likes et peut-être même parfois 800 quand c'est un code PSN de 50€, et jusqu'à présent nous avons toujours obtenu le nombre de likes demandés et ça c'est cool. J'ai pu remarquer que cette semaine des abonnés disaient que certains codes étaient fake, etc. Alors que non, pas du tout, quand un abonné remporte le code PSN, nous mettons toujours un screen sur Twitter et dans l'espace commentaire afin que vous pouvez voir que ce n'est pas du fake.
Si un jour nous mettons le code PSN 5 ou même 10 minutes en retard, ça ne sert à rien de nous agresser. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y aura vraiment jamais de couilles. Nous remercions fortement la Stronger Esport pour tous ces codes PSN fournis. Leur chaîne et Twitter en description, allez checker si vous aimez la compétition sur Call of Duty. Voilà potos, c'est la fin de ce commentaire et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à toi Carnage d'avoir accepté de présenter ton gameplay. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, il sera bien sûr en description, ça me fera bien sûr super plaisir. Et je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté, allez ciao bye bye, peace.